Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu particulière. Donc, c'est du développement personnel, hein. C'est tester ses limites en fait. Il y a beaucoup, j'entends beaucoup de commerciaux, etc., qui me disent oui, mais on me dit non, 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 non. Eh ben, moi, je vais faire en sorte qu'on me dise vraiment non aujourd'hui. Alors, j'ai un journal là, un journal dans la main d'annonce qui date de du 25. Wow, je pense que je peux montrer le titre. Allez, ça vous fera de la pub, paru vendu. Le journal, il date du 25 août 2008. Alors, je sais pas si c'est à l'envers. Faudra que je rectifie tous ces soucis d'ordre technique quand j'aurai un peu plus de sous-sous, quand j'aurai un peu de des personnes qui pourront me prendre à la caméra. Donc, c'est parti. Alors, je vais appeler des gens qui ont passé des annonces en 2008. Nous sommes en 2022 et on va voir leur réaction. C'est parti. On commence par... Alors, attendez, téléphone. Ah, bien évidemment, le téléphone est bloqué. Alors, comment faire? Je fais pause, je reviens. Ah, bon. Ça a coupé la vidéo. Alors, écoutez. Donc, du coup, j'ai dû faire deux vidéos. Alors, c'est parti. Nous appelons. Donc là, la première annonce est chambre. Vend une chambre complète avec un lit. 140 cm, plus deux tables de chevet, armoire, trois portes, style merisier. 1600 euros, prix 500 euros. Voilà, et on peut négocier. Oh. Alors là, je serais surpris que la chose ne soit pas vendue. Alors, 06, 64. C'est parti. On va s'éclater, je crois. Pas fait de test avant. Bonjour monsieur, je vous appelle car je vois que vous vendez une chambre complète avec un lit 140, deux tables de chevet. Ah, vous devez faire erreur, monsieur. Ah. Style merisier, 1600 euros, prix 500 euros. Pas du tout. Pas du D'accord, tout. eh ben je Je pense que m'excuse. vous avez dû faire erreur, sur le numéro, monsieur. Ah d'accord, bah excusez-moi. Merci beaucoup. Vous êtes sûr du bon numéro? Oui, je suis sûr, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme numéro? 06 64 Oui, c'est bien mon numéro, 4... mais qu'est-ce que je veux dire? Où est-ce que vous avez vu cette annonce? Ouais. Sur paru vendu. Oh, il y a quelqu'un qui usurpe mon numéro de téléphone, là. Ah. Bon. Ah ouais, parce que... Ou la personne s'est trompée quand Ah, elle a acheté son peut-être. numéro. Bon, d'accord, monsieur, excusez-moi, bonne Voilà. journée. Bonne journée à vous Au aussi, au revoir. revoir. Voilà, premier essai. Alors, il faut que je coupe le numéro de téléphone dans dans la vidéo, sinon vous allez tous l'appeler. Voilà. Oups, écoutez, c'est pas très grave. Hein. Monsieur, c'était une blague. Je n'ai pas eu l'occasion de lui dire, mais en fait, je veux arriver dans cette vidéo au fait que la personne dise, ouais, mais c'est paru vendu de 2008. Et après, on va essayer de voir, hein, de trouver un peu tout style de. Allez, maintenant on va sur un buffet bas. Vend un buffet bas. Enfilade, couleur hêtre, trois portes. Deux tiroirs, 100 euros. Alors, monsieur a voulu que je donne le numéro de téléphone. Eh ben, monsieur, si vous recevez des appels, c'est la chaîne YouTube pour être heureux et passionné à vie. Voilà. C'est parti, on continue. Suspense. J'aime bien repousser mes limites. Ça permet, une fois que tu passes des appels pour ton business, pour tes affaires, de faire retomber la pression à zéro, voire en dessous de zéro, parce que il n'y a aucune pression. Ah, échec de l'appel. Bon, ça, c'est un numéro depuis 2008 qui est foutu. Ensuite, cause déménagement divers, vend meubles en pin et anciens plus jouets. C'est parti. Alors, je fais le numéro de téléphone. Après, on ira
On ira chercher d'autres styles. Bon, on est dimanche, hein. Suspense. Hop là, voilà. Bonjour, chère Corinne, je vois votre annonce dans le journal paru vendu cause déménagement divers meubles en peint et anciens plus joués. Donc est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout en sachant que c'est le paru vendu du 25 août 2008. Est-ce que c'est toujours d'actualité votre annonce? Alors je tiens à préciser que c'est une petite farce, que je suis Jordan Mouroux-Laronde, je fais une vidéo sur YouTube. Vous pouvez consulter ça sur Internet facilement. Vous tapez Jordan Mouroux-Laronde, Jordan Mouroux, Mourout, Laronde, Laronde. Merci beaucoup. En tout cas, j'avais espéré vous avoir en ligne pour vous faire la petite blague. Merci beaucoup, au revoir. Si ce message vous convient, faites le 1 pour écouter votre... Merci de votre appel. Vous voyez? Alors, là on n'a personne, on peut pas faire la blague, du coup je fais ma pub. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Des choses un peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Bon, il y a les voitures, ça c'est de l'ordinaire. Odyssée, grande braderie. Ouais, il y a des trucs de rencontre, hein, c'est pas... Ça c'est vieux. Hein. Bon, ça c'est des trucs. C'est un peu nul. Estelle, médium. On s'en fiche un peu. Alors il y a ce sacré. Il y a le téléphone là qui se bloque. Et c'est bien casse-pied. Travailler depuis votre domicile. Recherche commerciaux. Bon les amis, je suis avec pas avec mon téléphone là pour. Pour faire la vidéo, vous voyez, je suis avec un autre téléphone et du coup il se bloque à chaque fois, alors c'est un peu casse-pied. Du coup, vous voyez le type de choses que vous pouvez faire pour faire en sorte de repousser vos limites. Alors c'est des trucs très bêtes, hein. Comme une fois, j'avais, comme vous le, comme ceux qui ont lu mon livre, qui connaissent mon livre, dans un défi, je propose aux personnes de tenir un stand de crêpes dans le magasin. De faire une animation où tu prépares des crêpes et où tu donnes les crêpes aux clients. Tu fais un partenariat avec le magasin, tu offres tous les ingrédients, ou soit le magasin est un peu gentil et il t'offre les ingrédients qu'il y a dans le magasin. Mais c'est pour dire qu'il faut sortir de votre zone de confort et faire des choses que personne ou peu de monde a l'idée de faire. Voilà les amis, merci beaucoup. Et promis bientôt, vous aurez des vidéos un peu plus qualitatives par rapport au montage. Pour l'instant, la seule qualité que je peux vous donner, c'est celle de vous donner des idées de fou qui vont vous aider financièrement, moralement, etc. Surtout moralement, pour que vous soyez passionné et heureux à vie. Merci beaucoup. À bientôt.